Soit selon les temps, bonjour mes cœurs, bonjour mes abonnés. Sinon, ça commence, je suis super bien, je suis content de vous voir. Heureux de vous partager ma joie. La santé, c'est la première des choses. Quand tu te vas arrêter sur tes deux pieds, il faut remercier le bon Dieu, il faut remercier le Seigneur. C'est le plus important. Voilà cette recette naturelle que je vous partage aujourd'hui. La recette d'aujourd'hui est basée de quoi, les cœurs? Mes cœurs, c'est pour avoir contre toutes sortes de maux de ventre. Voilà, toutes sortes de maux de ventre, contre les fausses couches. Après l'accouchement, mes amours, le plaid dans le ventre, ça va vous aider. Les déchets d'estomac, ça va vous aider toujours. Indigestion, ça va vous aider. Bas ventre, il est là toujours pour nous aider. Les règles douloureuses, il est toujours là. Même hernie cachée, ça aide tout ça là. Avec cette recette naturelle qui va aider toujours. Pour tout genre de maux de ventre, par grâce à les bons dieux, allez-y le faire, je vous en prie. Vous allez me dire un petit merci sur toutes sortes de maux de ventre. Cette recette-là est là pour nous aider, est là pour nous supporter, est là pour faire toujours comme ça se doit, mes cœurs. Allez-y le faire, je vous en prie, et venez me pointer, mes amours, avec juste l'ingrédient simple, naturel, avec juste des aliments naturels qui vont aider beaucoup. Il va avoir toujours mes biens. Vous aurez besoin de quoi, les cœurs? Allez-y la faire et venez me pointer. Qu'est-ce que vous allez faire, mes cœurs? Vous allez me chercher juste l'ingrédient puissance naturelle qui va vous aider, mes cœurs, pour avoir toujours éliminé tout ça là. Tu as fait le fausse couche. Tu as fait fausse couche. Voilà. Après l'avion là, viens prendre cette recette pour nettoyer encore bien. Pour que tu vas avoir aussi une autre grossesse, par grâce à les bons dieux. Vous aurez besoin de quoi? Les feuilles fraîches de papaye. Vous connaissez ça, c'est le papaye. Vous cherchez les feuilles fraîches de papaye. Vous allez laver proprement, vous le mettez dans la marmite. Qu'est-ce que vous allez faire encore de plus? Vous allez me chercher aussi les feuilles fraîches de manioc qui n'est pas pilé là. Pour moi, c'est pilé, hein? Mais vous allez chercher les feuilles fraîches de manioc là. Fraîche de manioc, vous allez laver tout, vous allez mettre au feu, vous ajoutez de l'eau dedans, vous allez la faire bouillir bien. Quand vous finissez à faire bouillir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser, ça va se refroidir, vous allez boire 3 fois par jour, jusqu'à ce que tu seras satisfait, maman qui souffre le mot de ventre, papa qui souffre le mot de ventre, allez-y le faire et venez me pointer. Surtout, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de vous abonner, les autres aussi vont voir à travers de vous, mes cœurs. Allez-y le faire, je vous en prie. Partagez maximum, ça me va du cœur, avec l'ingrédient puissance, avec l'ingrédient naturel qui va nous rendre heureuses, mes amours. Ces recettes sont simples, ces recettes sont naturelles pour avoir toujours vraiment la santé naturelle, les mamans chéries. Allez-y le faire, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de vous abonner. Les autres aussi vont revoir à travers de vos partages. Merci toujours. À chaque fois, la couleur change, tu mets le nouveau dans la marmite. Merci.